Le palois Marc Yari en rêvait, le voilà champion du monde d'échecs des moins de 8 ans. Ça, c'est la médaille du champion du monde. Et ça, là, c'est celle pour le champion du monde de résolution de problèmes. Où t'as fini deuxième? Ouais, là, j'ai fini deuxième. Initié aux échecs par son père dès ses 2 ans, il s'est inscrit au club à 5 ans avec une progression très rapide. Ah oui, pour moi, c'était mon objectif depuis tout petit et j'étais sûr que je pourrais gagner. C'est un défi que quand c'était lassé, c'était un peu plus gros que nous, quoi. C'était au-delà de... Mais c'est arrivé. 3 nuls, 8 victoires et surtout aucune défaite. Voilà le bilan du jeune palois lors des championnats du monde qui se déroulaient en Géorgie à Batoumi. Une performance espérée pour celui qui était classé en tête des 150 participants avant la compétition. Encore fallait-il résister à la pression. Il y a beaucoup de monde, c'est vraiment... Ouais, il y avait 150 joueurs par catégorie. Plus les accompagnants, c'était quelque chose de... Catégorie. C'était très grand. T'as aimé ça, cette sensation de tournoi comme ça? Oui, j'ai aimé, ouais. Ah, il s'est régalé. Un titre qui fait réagir les passionnés d'échecs en France. Superbe victoire de Marc, on a voulu vous choisir une partie. Bravo, bah, c'est pas anodin. Ça présume pas d'une carrière future ou quoi, mais bah, il est dans les temps d'être très fort. Quoi. Voilà. On voit des pouces. On lui voit des cœurs. On va juste faire un petit cœur. Je regarde. Cet après-midi à Pau, son professeur au club Henri IV, le maître Laurent Bruno, ne cachait pas sa fierté. Celui qu'il a connu à 5 ans dépasse toutes les attentes. La vitesse d'analyse est absolument phénoménale. Alors là, on a affaire à quelque chose d'absolument incroyable, du jamais vu. À 5-6 ans déjà, on lui mettait des positions sur l'échiquier, il était capable de trouver immédiatement les solutions, alors même que nous, on était en train d'analyser les informations tirées de l'échiquier. Là, on a quelqu'un qui va sans doute faire quelque chose d'extraordinaire dans le monde des échecs. Le club palois qui devrait recevoir samedi, comme il se doit, le nouveau champion du monde de retour de Géorgie pour fêter un titre tellement prometteur pour les échecs français.